all of my youngest, some savages running your trap and you up with them. Yo tout le monde, c'est White, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. On est sur une customisation de véhicule d'ailleurs, donc on va l'appeler tout de suite. Alors je suis accompagné, mais pas en rec, je suis accompagné juste dans la partie en fait, d'un abonné, donc Escoguada Raptor, qui commente à peu près toutes mes vidéos, donc ça fait super plaisir, grosse dédicace à lui. Et en gros il sera avec le même véhicule que moi mais pas blindé, et on va tester un peu la solidité du véhicule vers la fin de la vidéo bien évidemment, et pour voir la customisation qu'il a fait sur son véhicule et la customisation que j'aurais fait sur le mien. Enfin voilà. Donc là je vais sortir, voilà. Enfin je pense qu'il est là, ouais. Bon là il est sur encore un autre compte parce que genre de mec qui crée 50 comptes et des noms différents. Qu'un but mais bon. Donc on va aller, bon j'y vais. En fait oui, d'abord avant de commencer, parce que dans la dernière vidéo j'avais oublié, c'est pour ça que je montre directement. Donc en fait ce véhicule c'est, vous savez bien GTA ils aiment bien faire des avant d'un véhicule et l'arrière d'un autre. Mais en gros la marque c'est Mercedes, donc c'est Benefactor, et Benefactor c'est Merco, donc en gros. Et en fait le XLS c'est un gros mélange. Donc derrière on voit bien les feux BM, hein, c'est vraiment des feux BM derrière de X5. Et l'avant c'est un avant de GLA en fait. Le 4x4 GLA, enfin je pense bien, ou alors le 4x4 Merco, mais en gros je mettrai des photos à l'écran de toute façon de l'arrière et l'avant, vous allez comprendre. Bon, on va aller Los Santos. Custom. La voiture, donc j'étais à la Maze Bank, c'est pour ça. Donc lui il va venir, mais il va retourner au... Merde, il va retourner au Los Santos. Je vais montrer son véhicule aussi. J'espère qu'il est pas en mode passif. Ah ben non, il est pas en mode passif, sinon je verrais pas comme ça. Il serait pas inscrit en mode BGDG. Et on va les custom ça. Alors je pense pas qu'il y a 50 000 customisations sur le... Oh là 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 là, parler et rouler, c'est pas mon kiff. Hein. Je pense pas qu'il y a 50 000 customisations, mais bon. Donc regardez, ça c'est le normal en fait. Vous avez vu, en normal il donne ça, donc c'est la même chose, à part qu'il n'y a pas les genres de trucs sur le côté là, vous voyez, en mode on dirait il y a un matelas qui s'est mis contre. Bon, on va les custom, on y est, on y est, on y est. Alors je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est peut-être le dernier véhicule que je vais custom. Bon, après il y a les trois derniers de la mise à jour après, mais je pense que c'est pas... Enfin, je pense... Ah, il y a déjà 80% en fait. Donc là, on met tout à 100%. On connaît les bails. Alors, quand je dis on connaît les bails, ça veut dire qu'on sait tous qu'on va tous mettre le moteur niveau 4, etc. quoi. C'est logique. Parce qu'il y a Foxy qui m'a demandé dans les commentaires. Et je lui réponds. Ici, lumière noire parce que j'aime bien. Mon plaque noire. J'ai changé le logo du crew d'ailleurs. Ouais, je vais mettre comme ça. Transmission, hop. Turbo, hop. Bon, il n'y a pas tellement de customisation, mais bon, on a déjà limite fini. Ça crée un peu. Bon, là, par contre, genre de truc qui fait très beau. Donc, on va aller dans les SUV, au pire, pour une fois. On peut aller dans les SUV avec ce genre de véhicule. Ceux-là sont très belles, mais je regarde encore. Ça aussi, mais bon. Ça fait, je sais pas, ça fait pas X5. Ah si, ça fait X5 ou ça. Ouais, elle est belle, ouais. Je vais mettre ceux-là, donc c'est les BBS. Hein. Donc je les mets en noir pour commencer, on verra ce que je mettrai comme couleur finish. Donc on va aller voir ça tout de suite. Couleur chrome à chier. Ah oui, la couleur du crew, je l'ai rechangé, j'ai remis en orange. Déjà comme ça, il est beau, mais bon. C'est mieux. Hein. En noir, il est beau aussi. Bon, je vais pas le mettre en noir. On va le mettre comment? Parce qu'un véhicule comme ça, blindé, ça se met pas en n'importe quelle couleur. Vous avez vu les vis sur les pare-chocs? Ça, c'est pas mal. On dirait un véhicule préparé. En gris, il est pas mal. Mais bon. En graphique, attendez. Graphique. Mais graphique, normalement, il est pas comme ça. Il est plus beau, j'ai l'impression. En crème, il est pas mal aussi. On va le mettre en crème pour l'instant. Non.
que c'est censé être un véhicule un peu en mode furtif vu qu'il est blindé et tout, mais bon. On va la rendre comme si c'était un véhicule banal. En crème, il est beau, bon. Mais je vais quand même changer les jantes alors. Parce que bon, en noir. Enfin, ouais, ça passe aussi. Ça passe quand même. Ben, je vais mettre les jantes d'édition BM. Parce que ceux-là, c'est les jantes de BM en fait. Enfin, de base. Enfin, sur les BM, quoi. Du jeu. Ah, ben voilà. Sable du désert. Calme. Et j'avais rien oublié. Oui, la couleur en bas. Éclairage. Donc là, c'était vraiment une courte customisation. Alors, je me demande ce qu'il donne contre le Huntley S. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça a testé. Je regarderai dans une vidéo. Enfin, j'essaierai de voir justement. Mais à mon avis, c'est pas loin. Donc, regardez, je suis sorti. Ah! Voilà. Attendez, je vais ouvrir toutes les portes. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il reste garé là-bas? Ok. Bon, je vais ouvrir toutes les portes. Toutes. Il va comprendre, il va faire le même, je pense. Ah, il y en a une qui essaie. Attendez, je vais prendre le snipe. Ah, il a mis les jambes bleues. Pas mal, pas mal. Et il ouvre donc le coffre. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Donc là, on va voir un peu justement la puissance de ce véhicule blindé. Ok, donc là, on va voir le sien. Ok, une roquette, je le tue. Et là, on va voir le mien. Alors, une, deux, ah ben deux roquettes. Ça craint pas mal. Je veux dire. Enfin, je veux dire deux roquettes, normalement, c'est plus, non? Les nouveaux. Bizarre. Est-ce qu'on tue? Est-ce qu'on le tue? Ouais, on va le tuer. Il va pas comprendre. J'espère qu'il va pas essayer de me retuer. Bon, voilà un mutuel, on va quand même le tester parce qu'on n'a pas testé. Hello. This is more... Hop, I think we can do voilà. that. Et on va l'appeler, hein, parce que... Mécano. Je vais aller le tester dans le désert, les frérots. Je pense que je l'ai mis ici, voilà. Je vais appeler Lester. Attendez, parce qu'ici, il vient me tuer, lui. Hey, non, 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 pas un pont, pas un pont. Effacez les indices, okay, putain. Voilà. No problem. Putain, tiens. What? Putain, juste parce que je mets une patate en l'air, limite j'allais retourner les flics. Bon! Enfin, retrouver les flics. Bon, on va aller tester ça dans la terre, donc on va aller par là. Où est-ce qu'il y a beaucoup de terre? Où est-ce qu'on peut bien s'amuser? Un peu dans le désert, parce que là-bas c'est pas vraiment dans le désert. Bon. Les marais, ce serait bien, vous voyez, près de la base militaire. Bon, comme c'était une vidéo courte, tu sais, la customisation était très très courte. On va y aller, on va aller tester ça dans la terre. Donc, ouais. On va aller tester ça. Alors, j'ai pas vraiment un gros sujet de conversation à vous parler aujourd'hui, je suis vraiment désolé, mais il est déjà 4h du matin. Je suis un peu déchiré, limite, parce que je suis crevé. Problème, oh, je viens de foncer dans un véhicule, j'ai rien du tout, normal. Donc, voilà, c'est pour ça que je parle pas, enfin, j'ai pas vraiment de gros sujet. J'ai beaucoup de projets à venir, donc ça vraiment beaucoup beaucoup de projets à venir. Et voilà, je préfère parler de ça dans une vidéo un peu spéciale pour parler de ça que comme ça à l'arrache que des gens qui voudraient savoir ne vont pas savoir ce qu'ils s'en foutaient de la customisation de ce véhicule, vous voyez ce que je veux dire? Donc je préfère voilà. Mais je me demande vraiment s'il est mieux que l'autre. Parce qu'il est en quoi? En SUV, voilà, en SUV. Donc c'est pas en tout terrain en SUV, sauf ce qu'est le Huntley S, donc qui était le meilleur. Donc on va voir maintenant si c'est lui ou lui, mais ça on le verra, je regarderai dans une autre vidéo. J'aimerais bien faire un test complet, mais pour l'instant, ben, c'est un peu compliqué à faire parce que les chronos sont un peu tchal sur GTA, donc les chronos sont pas vrais. Donc c'est un peu compliqué, mais je vais m'arranger ça. Bon, on se tape la base militaire.
Et je pense que c'était le dernier à custom. Maintenant, je ne sais pas encore parce qu'il y en a un qui est customisable. Mais il était. Enfin, c'est un peu bizarre. Je vais aller voir dans mon garage si je l'ai ou pas. C'est un peu spécial. Vous voyez le dernier, donc sur le. Enfin, c'est un genre le véhicule de riptaille avec les grosses roues et tout. Je vous le montrerai. C'est un peu bizarre celui-là. Je pense pas qu'il est customisable vraiment au Los Santos. Custom en fait, donc je vais quand même tester, on verra. Les marais, je pense c'est ici, hein, non? Parce que la base militaire c'est là. Donc, je pense que c'est là, ouais. On va aller tester ça. Bon, pas un gros gros test, mais on va aller tester ça. On va aller tester le X5. X5 GLA bizarre. On va tourner ici direct, ouais. Wow. Pas que je l'ai mis. Ah là, je me suis quand même pris sacré coup. J'ai une griffe, la porte ouverte. Bon. Les marais, c'est ici les frérots. Les marais. Donc, bon. What, j'ai déjà perdu l'arrière limite. Attendez. Je vais re-rentrer dedans. Voilà, je déteste avoir le genre de porte ouverte mais qui n'avait pas ouvert. Attendez, parce qu'il y a mon chien qui dort à côté. Mon chien qui dort à côté, j'espère. J'ai dit mon chien, est-ce que j'ai compris que je. Ah, what, je me fais des films, il est 4 du mat, désolé. Bon, ben là il passe. Attendez, je vais essayer de voir dans. Donc là, bon, on va prendre de l'élan quand même. Je vais prendre un arbre, je le sens bien. Est-ce que Guada il arrive lui? Ah, ouais, il arrive. Allez, je me coince et tout, t'sais. En vidéo. Bon, allez, on repasse. Je crois que j'ai le bloqué. Ah ouais, mais si je commence comme ça, c'est sûr que j'ai le bloqué. Ah, mon chien, c'est ce que qui se secoue. Mal, en pleine vidéo. Bon, allez, on tente. Oh. Yeah, il passe au calme. Il passe au calme. Certains véhicules auraient déjà. Ciao. Lui, il passe au cam, il a pas que ça à faire, j'ai envie de dire. Wow, putain, là, j'ai carrément tout, donc on va aller un peu plus doucement pour voir. Enfin, je vais rouler un peu long, c'est stylé. Hop. Et là, je vais pas tarder à le bloquer. Attends, je vais voir si lui, il y arrive. Attends, lui, il a pris la version blindée, là, maintenant. Ouais, il a deux versions, lui. Il a la version blindée. Donc, vas-y, viens, suis-moi. Ça fait pas mal, on dirait des trucs tout terrain là. Vas-y, on va faire qu'il le bloque. Non. Et il passe, hein, il est crème. Hein. Vas-y, viens où est-ce que je suis. Il passe. Où est-ce que je suis, tu passes là. Ouh là, il va bloquer. Ben non, putain. Eh, il est chaud ce 4x4, il est chaud. Bon, là, on va vraiment le bloquer. Enfin. Moi, je frise en plus, c'est le top. Attendez, je vais partir par là. Ouais, là, il est détruit. Putain, il est en dessous de la map. Attendez, il va voir si lui, il va le détruire. Ouais, aussi. Voilà, tous les deux bloqués, comme des gros noobs. Bon, ben. Voilà quoi. Le test a été fait. Enfin, un test un peu. Il va me tuer, lui. Non, il va pas me tuer. Oh, je plonge au-dessus de la voiture. Ah, ce bâtard, il va me viser. Attends, je vais plonger au-dessus de ta voiture, gros. Ah, les voitures sous l'eau. Donc, une belle vidéo. Sous l'eau, normal. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, désolé si j'ai pas vraiment de gros sujets et tout. Mais, oh, merde. Non, me tue pas, gros. Il m'a mis un coup une patate genre du dessus là, j'ai pas compris, bon soit. Donc n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous aura plu. Hein. Attendez, il est où lui? Il est là. Si cette vidéo vous a plu. Et dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo. Allez hop, it shot.
Si ce genre de vidéo vous kiffez, parce que bon voilà, bon je vois que vous kiffez parce que j'ai quand même pas mal de commentaires de d'abonnés qui commentent pas tout le temps, donc ça fait plaisir. Et donc voilà, moi et j'ai des bons retours par rapport à ça. Attendez. Il va croire qu'on va faire l'affrontement et il va commencer à m'enchaîner. Enfin, il va commencer à essayer. S'il m'enchaîne, tant mieux. Donc on va regarder ça un peu. Bon, s'il me tue, tant mieux. J'arrête dès qu'il me tue, ok? Enfin non, j'arrête pas dès qu'il me tue parce que s'il me tue pas, ça va prendre du temps. Et ben voilà, il m'a tué, bon soit. J'ai trop ouvert ma gueule comme d'hab. Mais bon voilà. Putain, à chaque fois que je l'ouvre, mais je me fais dégommer, c'est grave. Attendez, il est où lui? Il partirait pas sur une défaite, les abonnés. Vous inquiétez pas. Je ne le vois pas, c'est ça le problème. Avec son. Sa tenue glitchée aussi. What? Mais attendez, il est où là? Moi je le vois limite là. Attendez, il est dans l'eau. Ah non, il est là derrière là. Ouais, ok. Ah, il est là. Oh putain, le bâtard, il est en arme. Il est avec une arme. Attendez, parce que là, il m'a déjà dégommé toute ma vie. Ben ouais. Ah! Il m'avait déjà dégommé toute la vie. Putain, 3-3, je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser ça, les gens. Il faut que je le tue. Allez hop, calmez. Bon, mais le problème c'est que on voit rien au snipe et moi j'aime bien jouer au snipe. Faudrait que j'aille sur la petite hutte. Ah, il est où lui? Il est là. Attendez, parce que là on est. Regardez, il me prend toute ma vie, je peux pas me pas le viser moi. What the fuck? Je fais pour le viser, genre je peux pas le viser, mais lui il peut viser, ok. C'est bien, GTA, c'est bien. Bon, il est où lui? Enfin, des roulades partout là, on le voit limite pas. Non, je le tue au snipe. Ah putain, je voulais le tuer au snipe quoi. Bon. Il aimerait bien être en hauteur en fait, c'est ça le truc qui me ferait plaisir en fait. Donc on va le faire, on va se mettre en hauteur. On n'a pas le choix. J'espère qu'il me vise pas au snipe déjà, sinon il sera en avantage. Mais bon, on va se mettre en hauteur, donc il est où lui? Et on va bouger. Je le vois même pas. Ah, il est là. Allez hop. On était à 5-5 là, parce que lui il était à 5-4, donc là on est à 5-5 maintenant. On va respawn lui. Ah, là-bas. Je le vois pas. Ah là. Petit escou. 2 balles. Calmer. Donc au snipe, je suis quand même pas mal sur GTA, mais bon. J'attends. Mon vu du dessus, tu vois, lui, il faut qu'il me revise et tout. C'est un peu compliqué, plus compliqué pour lui que pour moi. Hein. Mais bon, voilà. Putain, 2 balles, lui, à chaque fois, il te marqueur. Ah, il m'a mis une balle, mais il me l'a pas mis dans la tête. Hein. Et hop. Bon, ben voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que sinon, ça va être chiant pour vous. Mais j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Même s'il n'y avait pas beaucoup de customisation et que j'avais pas vraiment grosse parole. What? Regardez, il a respawn où le mec? Le mec a respawn là-bas. What the fuck? What the hell? J'ai pas compris par contre pourquoi il a respawn là-bas, mais bon, soit. Moi je vous laisse et peace les gens. Ciao et n'oublie pas un gros like pour la voiture. Tout simplement. Pour cette voiture. Allez, peace. Yo, nah, I grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people wanna kill their sorrow, some people wanna.